et même vous aider un petit peu, parce que tout ça est historique. Si Franck Ferrand était là. Ah bah oui. Ah mais heureusement qu'il n'est pas là, parce qu'il est chiant, mauvais. Il est adorable. Elle n'aime personne. Non, c'est sorti du cœur qu'elle a plu. Il nous fait rêver sur le Tour de France. Alors écoutez, moi j'adore Franck Ferrand, il nous apporte beaucoup de culture et il est bien plus aimable que vous en plus. Mais tu sais quoi, en plus c'est lui qui devait être là aujourd'hui et tu le remplaces au dernier moment. Ah, ah non, pas du tout. Non, c'est Marc Lambron. Mais Marc Lambron, tu remplaces Marc Lambron. Tu remplaces qui? Lui, t'es une remplaçante. On t'a appelé hier à 18h. Je sais, les pompiers. Ils étaient en difficulté dans le casting. Au pied levé, tu vois comme ça. Dénoncer, toi, tu dénonces tout. Tu sais qu'ils ont appelé 10 personnes avant toi, à chaque fois ils avaient un baby, il avait un skate. Oh le mec ne peut rien garder pour lui. Je t'adore. Mais alors d'abord, c'est pas vrai. Marcella Yacoub, c'est vrai, remplace Marc Lambron et pas Franck Ferrand, contrairement à ce que vous dites, au pied levé. Mais c'est la première que nous avons appelée. C'est beau. Parce que pourquoi ? Ouais. On a remarqué d'abord qu'il n'y avait qu'une seule grosse tête féminine aujourd'hui dans l'émission. Donc déjà, vous voyez, sa limite, il fallait une autre femme. Ça, c'est pas très... Bravo, ils sont pas tôt, bravo. C'est-à-dire que vous nous dites qu'elle est nulle, mais c'était une femme. Et comme Marcella fait, je dois dire, depuis la rentrée des émissions, exceptionnelle. Sur les chapeaux de roue. Elle est incroyable. Exceptionnelle rentrée. Il y a elle et Mabi. Il y a aussi quand même depuis deux jours, Monsieur Mira. Ouais, c'est sympa pour moi, Laurent. Tous les autres, votre nom est sur une liste à la sortie. Mais en tout cas, Marcella, c'est vrai, est venue remplacer Marc Lambron au pied levé aujourd'hui, parce qu'il fallait, pour remplacer quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui le soit. Et oui, pour que l'image de la femme ne soit pas donnée par Valérie Mérès. Méchante. Elle n'aime personne. Elle n'aime personne. Ah non, mais je sais. Moi, il suffit que je pense un truc pour qu'elle pense le contraire. Alors. Il faudrait que tu penses un truc. Dites, on s'est éloigné.